On est dans une situation très avancée là, de défoliation due à la tordeuse et bourgeons. Sainte-Florence, dans la Matapédia. Ici, la tordeuse fait des siennes depuis 6 ans. Cumulée sur chacune des années, avec de façon modérée à sévère, là, l'importance a fait que cet arbre-là, actuellement, bien, il est rendu au stade de mort. La forêt privée bénéficie pour une deuxième année d'un programme spécial d'arrosage. Plus de 9 000 hectares seront protégés dans toute la province. Mais seules les parcelles de 10 hectares ou plus sont admissibles au programme. Ici, en 2018, il était déjà trop tard. Okay. Et on voudrait pas que ça se répète à la grandeur de l'Est du Québec, de ne pas identifier ces peuplements-là, qui ne sont pas tous comme ça, mais qui sont naturels, qui sont moins de 10 hectares, et de les traiter s'il y a besoin. Et les producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent veulent ramener ce minimum à 4 hectares, une limite qui correspond mieux à l'échelle d'une forêt privée. J'ai compris un petit peu, c'est que la forêt privée est aménagée par petits morceaux, c'est morcelé, hein. Il y a des morceaux qu'on laisse pousser en feuillus, des morceaux que c'est du résineux. C'est sûr que c'est pas facile, la forêt privée, parce qu'elle est diversifiée. Elle n'est pas comme la forêt publique, qu'en fin de compte, c'est du résineux d'un bout à l'autre. Dans ce boisé privé de Sainte-Florence, les sapins ont été achevés par la tordeuse en à peine 5 ans. Mais les sapinières naturelles comme celle-ci ne sont pas prioritaires dans le plan de lutte contre la bestiole, disent les producteurs. Qu'elles soient naturelles ou aménagées, c'est quand même de la fibre à récolter dans 10, 15, 20 ans. Si on ne la protège pas, on ne l'aura plus. Les producteurs de bois doivent aussi faire vite pour espérer recevoir l'aide de la SOPFIM l'an prochain. Ils ont jusqu'à la fin du mois pour déposer une demande d'aide. Un délai presque impossible à respecter, disent-ils. Le délai, c'est sûr qu'il est un petit peu court. La neige est fondue depuis peut-être 3 semaines. On n'a pas fait beaucoup de terrain. La tordeuse fait juste commencer à se développer. La tordeuse sera encore ici pour au moins 5 ans. Déjà, des producteurs ont perdu 20 % de leur forêt. Ici Michel-Félix Tremblay, Radio-Canada, à Sainte-Florence. Ici Est du Québec.